né le 18 mars 53 à Piétreville. Eulpin et Jean, 1999, vous souvenez-vous, la grande tempête, on en a parlé dans tous les journaux. Mais ce n'est pas parlé dans les journaux. C'est que cette année-là, Hippolyte a tué son premier pigeon. Faut que je vous raconte. Maître Hippolyte, marchand de vaches, ayant bien réussi dans ses affaires, était devenu un notable. Notre maquillon avait acheté du bien, des bois. Puis, tous les samedis matins, il arpentait, fusil à l'épaule, cartouchier garni, son domaine. Mais depuis 20 ans, il n'avait encore rien tué. Enfin, je dis rien, non, un fait, il avait tué son chien. Mais était point prévu dans le tableau de cache. Dans notre commun, il y avait bien beaucoup de cacheux, mais aucun ne serait venu avec lui. Eux pu, au mieux, prendre des plombs dans les fesses. Un jour-là, sur la route, il rencontre dans le champ Eulpé Basile. Enfin, dans le champ Eulpé Basile, Anatole Bertin, en train de labouer. Stila, il fait comme ça en riochant. Alors, est-il pour un nuit que vous tuez quelque chose? Oui, oui, tu peux riocher, fait Hippolyte. Je le sens bien, est à nuit. Puis il continue son chemin. Tu emprunte, comme tous ces jours-là, nous entendons pétarader dans le bois à n'en plus finir. Vers midi, nous veillons notre bonhomme rapasser, bredouille, la tête basse. Mais ce samedi-là, il ressortit du bois triomphant, un pigeon au bout des bras. Ça y est, qu'il fait Anatole, tout en brandissant son trophée. Le Pébertin est plabourdi, arrête ses joies. Oh, mais il faut que je veille chat, qui fait dans l'hymen. Eh oui, était bien un pigeon qu'Hippolyte avait dans ses mains. Mais, fait Anatole, pleumet comme il est un vieux, il a dû mouiller d'une crise cardiaque. Oh, dit le cacheux, comme d'habitude, tu te fous de mai. Il a même pas une trace de sang. Eh, chat, il est mort depuis, dit Anatole. Au nom d'être là, qu'il ajoute comme chat, est un pigeon viageur que toi tu es. Mais comment tu peux veiller chat, dit Hippolyte au labour. Regarde, il y a un message attaché à sa patte brère. Au nom des dieux, fait Hippolyte. Mais dis-moi, le chiquico de message, rajoute le marchand de vaches. Anatole déplie le papier. Ah, pour être vieux, t'en pigeon, les vieux. Les vieux qui fait au laboureux. Écoute mes chats, qui fait le laboureux plutôt. Écoute mes chats, la chambre 8e attend des renforts pour monter à l'assaut. Signé Georges Clémenceau. Ah, oui, oui.